J'accepte toujours ce que dit la justice de la République. Donc, je l'accepte avec, comme c'est un fait. Voilà, je l'accepte. Et puis, je me dis que c'est peut-être l'occasion de faire un point. Au fond, toute cette affaire nous a permis d'entendre des victimes. Et mon expérience d'entendre des victimes montre que très souvent, elles ont été bloquées pendant des années et des années et n'ont pas pu s'exprimer. Et je comprends qu'elles aient besoin qu'on reconnaisse leur peine, leur mal. Et donc ça, j'entends ça à travers ce qui s'est dit. Au fond, il y avait beaucoup de victimes parmi nous et nous ne le savions pas vraiment. Et donc, je pense qu'il est très important qu'on soit attentifs les uns aux autres. Un message comme ça, moi je dis, soyons unis, mais cette unité, qu'elle ne soit pas une unité de surface, mais une unité de profondeur, et dans la profondeur, qu'on sente le mal de l'autre, et qu'on s'aide les uns les autres à porter ce mal. Voilà. Et puis, quand même, le cardinal a fait beaucoup de choses pour le diocèse de Lyon, et il me semble très important aussi de penser à lui.